Bon, ce week-end, 9e victoire en 9 matchs, c'était la meilleure façon pour préparer ce match de Youth League, mercredi. Une victoire, c'est toujours la meilleure manière de préparer la suite. Après, pour la Youth League, c'est une compétition à part, hein. C'est un niveau élevé. Alors, le score par rapport à la finale du match, on peut dire qu'on est bien. Maintenant, il y a un match retour. Romain a mis une grosse pression quand même, hein, sur ce coup-là. Donc je le félicite parce qu'ils ont fait un gros match là-bas. Ils ont ramené un résultat qui est plus que positif au départ. Donc à nous maintenant de finir le travail. Comment justement tu l'as vécu ce match aller, comme tu n'avais pas pu faire le déplacement en Slovaquie? Je l'ai vécu un peu bizarrement parce que j'étais formateur à Paris. Donc sur la première mi-temps, je me suis interdit de regarder le portable en plein cours. Et à la mi-temps, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil, donc j'étais très 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 content. Et puis j'ai eu le retour rapidement de Romain après le match. Les jeunes jouent tous les 3 jours, ils n'ont pas forcément l'habitude. Comment tu gères le groupe dans ce cas-là? Ben, c'est un apprentissage, c'est agréable. Hein. Après, faut pas non plus. Si les garçons ils ont 17-18 ans, s'ils ne sont pas capables de jouer tous les 3 jours, c'est grave pour eux. Donc nous, on fait tout pour la récupération. Nous, c'est des organismes qui récupèrent assez rapidement. Je pense que tu as observé ce match aller, tu l'as regardé. Comment tu juges cette équipe de Zimina? Ben, par rapport à ce que disait Romain, par rapport à ce que j'ai vu, c'est exactement ça. C'est que sur les 20 premières minutes, s'il y a 2-0 pour eux, c'est pas illogique. Par contre, on a été très réaliste dans les zones de finition. Et c'est là où on a fait très mal. Mais après, c'est une équipe à prendre très, très au sérieux parce qu'il y a vraiment de la qualité. Donc on va rester sérieux par rapport à ça et puis surtout montrer une belle image dans cette compétition qui est la Youth League. On voit les jeunes assez détendus, rigoler, ben, comme d'habitude en Gambardella ou avant la finale 19 l'an dernier. Comment tu sens le groupe? Ben, on fait tout pour que ça soit détendu. C'est un peu, peut-être une partie de la réussite parce que faire le match avant c'est très dangereux. Maintenant, il faut qu'ils gardent cette joie de vivre et puis rentrer dans le match tranquillement au moment venu. Merci.